Bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer un document, peu importe lequel, sur Word ou autre logiciel, en document PDF. Je vais donc lancer Internet, ce qui nous permettra d'aller chercher qu'est-ce que c'est qu'un portable document format. Je l'ai trouvé sur Wikipédia. C'est l'occasion pour vous de vous montrer, encore une fois, comment copier un texte de Wikipédia sur Word. Donc je sélectionne la partie que je veux, je fais un clic droit, je dis copier clic gauche, je réduis ma page web, je lance Word que j'ai déjà lancé et je vais faire un collage spécial ici, clic gauche, texte sans mise en forme et je dis OK. Je vais continuer, je mets mon document Word en attente, je vous avais déjà montré tout ça. Je reprends mon Wikipédia et je vais prendre généralité, je clique devant le G, je reste appuyé, je fais glisser ma souris jusqu'à l'endroit que je veux, je fais un clic droit sur la partie bleue, je dis copier, clic gauche et je réduis ma page web pour la mettre en attente et je continue sur mon document Word à faire un collage ici, clic gauche, collage spécial, texte sans mise en forme et je dis OK. Ça vous permet simplement de revoir un petit peu ce que l'on avait déjà vu pour aller chercher du texte sur Internet. Je vais enlever donc ce dont je n'ai pas besoin, ce que je n'avais pas gardé. Comme ça, vous aurez la définition de ce que c'est qu'un PDF portable document format que je vais vous mettre en forme vite fait. Tout ça, vous le connaissez déjà. Donc le PDF vous permettra d'enregistrer un document, de l'envoyer à quelqu'un, à n'importe qui, même s'il n'y a pas de logiciel adapté. En tout cas, il faut qu'il ait Adobe Reader. En général, tout le monde l'a. L'avantage surtout, c'est qu'il n'est pas modifiable lorsque vous l'envoyez à quelqu'un. Voilà, donc on va dire que là, le texte est plus ou moins mis en forme. Vous faites comme vous voulez. On va mettre taille 11, 12. On va justifier. Là, pareil, je sélectionne. Taille 12, tout ça, vous connaissez bien. Tout ça. Le but ici, c'est d'enregistrer ce document-là pour l'envoyer à quelqu'un. Et pour qu'il ne puisse pas modifier quoi que ce soit sur le document. Voilà, je me mets un peu en forme, sans aucun souci. Alors, pour enregistrer votre document, vous cliquez sur l'Office, enregistrer sous, et vous dites PDF, ici. Vous pouvez mettre, peu importe, il va se mettre forcément dans Adobe Reader, hein, de toute façon. Et vous dites publier. Il ne se passe rien d'extraordinaire. Si vous voulez garder le document de Word, vous pouvez évidemment le faire pour apporter des modifications. Ce que dans le PDF, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Donc, si vous voulez garder le document de Word enregistré sous Word 97.2.3, pas de problème. Et vous gardez bien le format Word, document 97.2.3. Comme ça, vous l'aurez en format Word et en format PDF. Je quitte Word. Voilà. Et ici, vous avez en bas, sur ma barre de tâches, Adobe Reader. Je clique dessus. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger à n'importe quel moment. C'est gratuit sur télécharger.com et vous le mettez sur votre bureau ou en bas sur votre barre de tâches, pas de problème. Je clique sur Ouvrir. Et je vais demander portable document format fichier PDF. Ah, Adobe Reader a cessé de fonctionner. Je reclique dessus. Ça arrive, hein. Ouvrir. Et j'ouvre portable document format PDF. Ouvrir. Et le voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez bien votre PDF. Mais vous ne pouvez en aucun cas modifier quoi que ce soit dessus, car c'est le but. Hein, c'est un peu comme une photocopie que vous envoyez à quelqu'un, vous gardez pour vous-même,
Donc, lorsque vous voulez changer quelque chose sur votre document, il est important effectivement de le garder en double sur Word et l'enregistrer en PDF après. Et ce document-là peut donc être envoyé à qui l'on veut et la personne recevra donc votre PDF. Voilà, je vous remercie et je vous dis.